Nantes Métropole vous présente une initiative du pôle ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Audencia Nantes. François-Xavier Lessault, dirigeant de la société La Maison est Belle. Nous sommes traiteurs, organisateurs de réception. Alors le déclic, La Maison est Belle a intégré une démarche RSE depuis 2008, fait partie du réseau des traiteurs de France, qui a aussi un volet RSE important. Et du coup, nous, le bilan carbone a pour objectif de marier écologie et économie. L'émission des gaz à effet de serre a tendance à avoir un coût qui augmente, d'accord? Et donc, pour nous, l'établissement d'un bilan carbone a pour objectif d'identifier les priorités et les actions à mener pour réduire ces coûts avec des délais, des objectifs, mais aussi des responsables dans l'entreprise. Alors, le calculateur bilan carbone doit être spécifique en fonction de l'activité. À La Maison est Belle, nous avons identifié 5 postes. Et parmi ces postes, ce sont sur les postes spécifiques sur lesquels nous avons un levier plus important. D'une part, les achats alimentaires et les fournisseurs. D'accord ? Donc, dans le cadre du déménagement de notre laboratoire, nous sommes rapprochés des salariés et des fournisseurs. Et deuxièmement, nous avons favorisé l'approvisionnement en circuit court. Le bilan carbone est une photographie à un instant T, mais pour être utile, il s'inscrit dans la gestion permanente de l'entreprise. Pour aller plus loin, nous proposons à nos clients un bilan carbone par menu. Nantes Métropole vous a présenté une initiative du pôle ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Audencia Nantes.